ça paraît étonnant, l'association du tatouage et de la danse. Et puis quand on y pense, c'est pas étonnant du tout, puisque ce sont deux arts du corps. Et puis sacrément les arts du corps, quoi. La danse, ça va être dur de faire mieux. Puis le tatouage aussi, quoi. C'est l'idée que j'ai eue qui a fortement plu à Philippe, quoi. J'ai dit, tu viens avec tes danseurs, vous faites ce que vous voulez, mais c'est moi qui fais les costumes. Bah, faut qu'il y ait une relation. Par le biais des tatouages, quoi. L'idée, c'est de mêler les arts. En l'occurrence, cette année, c'est le tatouage et la danse. Donc Tintin m'a demandé de montrer des choses que j'aimais, qui me semblaient pertinentes dans ce contexte très particulier. La seule contrainte étant que les danseurs sont en slip et qu'à la place de leur costume, on les couvre de tatouages. Et pour l'occasion, il a créé des tatouages un peu comme des tatouages malabar, des tatouages qui se collent sur le corps, mais de très grande taille et qui nous permettent de transformer les corps des danseurs. Donc c'est plutôt rigolo comme défi, comme challenge.